grossièrement, ils sont finis régulariser tout à la main avec une queue de rat. Alors, si vous êtes mal centré, mauvais traçage, mauvais centrage, vous allez avoir un gros trou qui va se former autour, et de l'autre côté, la cloison n'est pas perforée. Et si à l'opposé, c'est le contraire, eh bien vous allez avoir une cloison de, mettons, 1 mm d'épaisseur, et puis on pourra percer ça après, c'est pas évident. Là, je vais arrêter. Alors, jusqu'ici, j'étais au pif, hein. Mais seulement j'ai quand même des repères. Hein. Sûrement, pour la profondeur, j'ai un petit papier sur le truc. Alors, donc, je m'arrête et j'ai une tolérance d'un millimètre. Donc, je sais que je peux aller un millimètre plus profond. Ça, c'est une chose. Mon traçage, c'est pareil. Je sais qu'il fallait que je mange mon trait. Alors là, vous avez dû voir, j'ai voulu manger, peut-être. Je suis venu concave, oui, je sais pas. Ouais, j'ai donc légèrement, j'ai pas un cône droite parce que si j'avais un cône droite, je peux pas avoir de cloison perforée. Faut que ça soit deux courbes qui rentrent l'une dans l'autre. Hein? Ouais. Et au fond, je sais pas si. Au fond, la profondeur de l'étoile, le plat que je fais au fond, faut pas qu'il raccorde avec ma courbe. Faut qu'il y ait une marche à peu près de 3 mm. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez là. Ouais. Tout à l'heure, je n'avais pas commencé parce qu'il fallait. Parce qu'en premier, il faut faire ce plat là, qui correspond à ça. Donc là, l'ouverture est bonne, il faut que je vais profonde, au moins 2 mm de profondeur. J'avais.
s'ouvre à l'extérieur. Ce qu'il y a, on peut absolument rien contrôler sans arrêter. Dans ce... Quand on... Mais si on ne contrôle plus, c'est que c'est passé. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai encore 1 mètre de profondeur. 1 mètre de profondeur, donc celui-là. C'est un peu trop fort. Là-bas. Et là, trop faible. Là, puis celui-là devrait être bon. Ah, encore un tout petit peu plus profond. Donc le rapport que je faisais. La profondeur, là, j'y suis. Voilà, pour moi, j'y suis. Ça doit être trop fort, on va laisser. Ça, je suis trop faible, un petit peu. Et bon. Ça, c'est mon gabarit de courbe. Donc, je suis pas assez ouvert. Ouais, okay. Je touche pas. Donc, il faut que j'ouvre. Donc. Alors. La partie droite, il y a le... Là, vous voyez, il y a... Donc là, je l'enlève. C'est plus... vaut mieux l'enlever à la main, parce que quand, si ça saute, là, ça risque de faire des bêtises. Alors, vous voyez, donc je me présente comme ça, comme on se retrouve là, et à partir de là, je fais la perle. Thank you.
Une pièce comme ça, ça peut être faite dans la journée, une grande journée. Une journée 24 heures. Pas une journée de retraité. Pour moi. Et ton taux de réussite, est-ce que parce que de temps en temps tu casses des choses? Ben oui, comme tout le monde, moi j'arrive à passer. Mais que, pas casse une combien tous les 10 ou... Non, une étoile comme ça peut arriver d'en casser une sous tous les deux ou trois boules, mais pas beaucoup plus. Mais c'est pareil, hein, ici et chez soi, c'est autre chose. Hein. Hein, ici, ouais. Et ça, Gérard, ça va pas du tout. Ça. Non, mais bon. Il faut que ça soit tout soit au point, sinon vous passez à travers. Comme pour le pistil, hein. Ce sont des parties qui sont terminées en sculpture, en texture, donc avec le Dremel ou la petite turbine. Je déplace un peu, ouais. Pour éviter d'avoir un espèce d'angle, donc pour avoir vraiment une courbe jolie, harmonieuse. Est-ce que vous écoutez ça ou la vapeur? Comment? Ben en fait, la vapeur sur des grosses sections, je pense qu'elle sera beaucoup plus efficace. Là, comme on est sur une petite section, ça c'est pas mal. Ça ne demande pas beaucoup de matériel et puis Là tu restes toujours au même endroit, tu ne cherches pas à... Alors pour l'instant ce que je voudrais c'est que... Oui, là je vais cintrer ici, après je vais cintrer le bord, donc je vais essayer de faire un... C'est pas gagné. Thank you.
le liant acrylique, en fait, c'est ce que les peintres utilisent pour fabriquer leur peinture, donc du liant acrylique avec des pigments. Alors moi, le pigment que j'ai trouvé le mieux adapté, le moins fastidieux à faire pour imiter le galet comme ça, c'est le ciment. Donc ça fait cette pâte, hein, le liant acrylique, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait ça ressemble à de la colle blanche. Voilà, donc je mélange mes pigments dedans, donc là j'ai un mélange relativement épais. Si tu mets du ciment, ça prend. Non, avec le liant acrylique, non, ça prend pas. Avec la flotte, ouais, mais avec le liant, non. Non, parce que celui-là, il y a 3 jours, il faut le préparer un peu à l'avance, que les pigments, là en l'occurrence le ciment, ben, se mélangent bien avec le liant. Donc, on y va en tartine, quand le bois est sec évidemment. Donc on tartine, ce qui fait un fond. Voilà. Ce qui va donner un aspect naturel. Alors, ensuite, je mélange un peu les pigments pour arriver au maximum à la couleur du galet. Il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes, vous les avez vus. Alors là, c'est un pigment donc, qui est tiré d'une pierre. Je les fabrique aussi. Ouais. Donc c'est une pierre bah, qui vient d'Éguine, justement. Donc voilà, on va mélanger un peu. Et ça, la pierre que les sculpteurs. Sur pierre débutant utilise donc la pierre calcaire, la pierre blanche. Voilà. Je suis bon, je suis relax. Donc là après il faut laisser sécher. La pièce est excentrée, donc sur un tour ici avec de ce côté-là et l'autre tour avec de ce côté-là, ce qui permettra de générer les deux axes de l'ellipse. Alors la chose la plus délicate avec ce type, on pourrait imaginer que c'est plus facile de travailler avec des gouges puisque il y a moins d'efforts de coupe, il y a moins de vibrations, etc. Cependant, la difficulté de la gouge, c'est qu'on va jamais vraiment travailler à hauteur d'axe très très précise, ce qui fait que quand on va vouloir faire un couvercle sur une boîte, on aura des problèmes d'alignement. Je vous montre un petit peu si on travaille à hauteur d'axe différente, ce qui se produit. Donc là on travaille avec un axe un peu haut, comme on peut le faire parfois avec une bouche, avec la hauteur d'axe correspondant à hauteur d'axe de la broche, on va être ici, et si on travaille un peu bas, on va être ici. Donc j'arrête, vous allez voir que les ellipses ne sont plus bien axées. Hein, non, mais normalement, si je mets ici, ça c'est une poulie 48 dents, ça c'est une de 24, donc le rapport de 1 à 2. Ici, il faudrait que je mette une poulie de 40 et là une poulie de 20 dents, et je pourrais ramener mon moyeu, mon palier central dans l'axe du tour. Et dans ce cas-là, je pourrais partir avec l'excentration nulle, c'est-à-dire faire des cercles. Et après, voilà comment je creuse ça. En évitant de prendre une boîte de l'autre côté.
Ce couvercle et puis ensuite faire une empreinte sur la partie restante pour pouvoir reprendre le couvercle à l'envers. Avec ce petit appareil, on peut enfoncer ensemble. Donc tout rentre. Le vernis rentre dans le bois avec la teinte, sans que ça casse. Si j'avais attendu le lendemain que tout soit bien dur, bien sec, j'aurais cassé mon vernis à faire la mesure que j'aurais descendu. Là, il a gardé sa souplesse encore, donc il s'enfonce un peu dans le bois. Donc ça permet d'avoir le... c'est-à-dire que si la pièce, elle est presque finie, mais on se dit, merde, il n'y a pas assez de nuances, pas assez de contraste, on peut quand même continuer à la travailler. Ce genre de finition, c'est souple, on peut revenir. Et puis après, ensuite, là, pour noircir un petit peu, c'est avec des... Par contre, là, c'est un pigment à l'eau que j'ai mis dessus. C'est de la terre pourrie. Thank you.
Ça fait un peu de temps.
essayer. Vous voulez l'essayer? Non. Je suis content de regarder. Saint-Dirac en Gironde, mais je suis originaire de Bourgogne. Le propos de ma démonstration, c'est tenue de soirée 2 d'ailleurs, est née d'une rencontre avec Marc Sfiri, rencontre facilitée par Daniel, ici présent, qui était un traducteur parfait pour cette rencontre. Donc, cette tenue soirée, après 7-8 mois de gestation, voilà la tenue soirée terminée. Donc, il faut arriver à ça. Composé de 2 demi-carrés, juxtaposés, vissés. D'autre côté, pareil, centré, voilà. Donc, première partie, je vais faire la partie basse. Puisque ceux qui m'ont connu aux environs des années 2000 connaissent la partie haute. Pardon ? Non, j'étais jeune depuis beaucoup moins longtemps. Je vais tracer un peu plus fort pour mieux voir la zone.
Le bois est vif. Donc mon carré là, il est tracé assez sauvage à la scie ruban. J'ai un côté qui est fini, un côté qui n'est pas fini. Donc, si j'avais été un peu plus méticuleux, j'aurais pris un carré raboté. C'est la base. Alors, soit on s'en contente pour socle, soit au dernier moment, on viendra le scier et on mettra un autre socle. Voilà, j'ai remis au rond et maintenant je vais faire cette forme-là. Celle-ci. En suivant la forme du dessous. En suivant la forme du dessous. Pas totalement parallèle. Comment ? C'est pas totalement parallèle, ça va s'écartant. Oui, oui, ça va. Le diamètre est plus grand là pour terminer ici. Parce que de toute façon après je vais venir enlever ça. Donc dans ce profil là, ici je peux me permettre de diminuer. Mais de toute façon après quand je vais faire exécuter cette partie là, là je vais encore diminuer. Alors que là je ne toucherai pas. Pour avoir justement ce côté terminé en taille fine. Donc là c'est à l'œuvre. Alors, on peut marquer éventuellement pour visualiser. Donc ici, ça sera un sommet. Ici, ça sera un sommet. Là, ça sera un creux. Vous voyez, marquer, c'est difficile. Alors, un sommet ici. Thank you.
Ici, là. Et pas de ce côté-ci, pourquoi? Pas de ce côté-ci? Oui. Pourquoi tu n'as pas suivi Ah, ben parce que maintenant, c'est ma ligne ici du milieu, là, qui me détermine. C'est esthétiquement. Hein. Après, la profondeur, je m'en tape complètement. Hein. Ça doit être l'œil qui décide, là. C'est plus le pied-coulisse. Hein. On est dans l'esthétique, là, c'est tout. Hein. Si c'est un peu plus creusé, on s'en fout, mais il faut que la ligne soit belle. Il ne faut pas qu'il y ait une cassure. Hein. Enfin, pour moi. Hein. Si vous essayez d'en faire une, ça sera peut-être différent. Je vais en faire plusieurs. À faire le raccord aussi. Donc il faut que je vienne tangenter cette portion ici, sans rentrer dedans. Donc le raccord de cette partie-là et la croupe là, doit être un point de tangence. Il ne doit pas y avoir de cassure. Oui, d'ailleurs, il faut que je la reprenne une fois parce que ici, il me reste un petit peu. Vous le voyez là ? Là, je n'ai pas été assez loin. Donc, j'ai une petite passe à faire. J'ai diminué comme ceci. Et il faudrait que cette ligne ici de tangence soit le moins marquée possible. Donc, le meilleur outil, c'est une grosse plane. Donc on s'appuie uniquement sur le cercle flou, c'est-à-dire qu'on ne s'appuie pas. Mmh.
Voilà, on va arrêter là. On voit cette ligne là, caméra. Ouais. Il faut qu'elle soit marquée cette ligne. Ouais, sur l'autre. Mais maintenant on peut continuer. L'autre forme. Donc là, il y a les deux trous des vis. Ces trous des vis, là, le coup. C'est les doigts le plus proche possible de la fraise, toujours.
priori, ça risque rien pour enlever toute la partie haute qui reste, puisque le bas est plein. Voilà. Comme c'est un dessin relativement simple, il me reste trois espaces à enlever. Il va rester toute la partie qui est autour de ce cercle. Il va rester la petite partie entre les deux autres traits, en haut jusqu'en haut. Il n'y aurait que deux espaces à enlever. Il n'y a que deux bouts de bois qui restent à sortir normalement. Donc là, quand même, ça risque d'être un petit peu fragile. Et sur le devant, ce que je vais faire ce que j'appelle une béquille. C'est-à-dire que je vais garder du bois, ici, par exemple, pour que ça continue à tenir. La partie du bas, le dernier cercle en bas, je la garde pour que ça fasse socle. Donc là, c'est peut-être mieux de commencer par enlever les plus grosses parties. En premier, c'est où que ça va être le plus fragile. Donc ça va être aux alentours de ce rond, comme on disait au départ. Donc bah, comme j'ai fait pour celle du dessus, je vais commencer par dégager d'abord les endroits les plus fragiles. Je vais prendre la machine, là je suis prêt.
reste plus qu'à sortir le dernier petit carré qui est derrière. Un carré. Aurélien, oui. Une question. En fait, quand tu travailles avec cette presse, donc tu travailles indifféremment en tirant et en poussant. Et le sens de la fibre du bois est important. Alors non, ouais, ça j'en ai pas parlé. Ça, évidemment, la fibre elle a tendance à tirer l'outil en fonction du sens de rotation de la fraise, à tirer l'outil des fois un peu plus vers ton trait ou des fois à l'expulser. Donc ça, c'est dans le maniement de la fraise. Elle peut monter. Après, bon, ça va dépendre des bois aussi. Mais, elle peut aller dans les deux sens. Quoi. Après, il y a des cas où c'est un peu plus chiant, où il va falloir la tourner l'autre sens. Souvent, ce qui est le plus important, c'est la prise en main. Là, bon, sur cette petite pièce, ça, bah, elle se prend plutôt bien en main, c'est pas trop compliqué. Mais souvent, plus que la sens du fibre, ça va être la prise en main qui va gérer le sens dans lequel tu prends. Et tes dessins, à l'origine, tiennent compte de la fibre aussi ou pas? Non. Jamais, quoi. Non, jamais. Tu pars... Jamais, parce que ça serait une contrainte en plus. Il y a déjà quelques contraintes dans le dessin, c'est que c'est forcément un dessin où les traits se rejoignent. Il ne peut pas y avoir, par exemple, j'aurais pas pu faire un cercle comme ça tout seul en l'air. Il faut que ça se tienne. Donc il y a déjà forcément quelques contraintes inhérentes au dessin, donc je ne peux pas m'en rajouter. Donc tout ce que je peux enlever comme contrainte, j'en ai pas. Donc la fibre du bois, je me démerde après comme je peux. Si des fois c'est un peu chiant, bon, bah, j'ai une autre question, c'est est-ce que tu as pris du café midi? J'ai mis du café midi. Je ne suis pas trop envie. Hein. Donc cette dernière partie, ben, on va commencer par la partie la plus fragile, toujours, donc vers le haut. Donc c'est là que, comme les bois commencent à être un peu fins, c'est là qu'il faut réussir à placer ces bois. Je pourrais l'enlever maintenant, mais si j'enlève maintenant, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour poncer les arêtes après. Voilà, donc si je veux pouvoir finir cette pièce, il vaut mieux que je garde la béquille et que j'enlève au dernier moment. Alors avec ce système de béquille, ça peut permettre vraiment, en gardant des petites à droite à gauche, ça peut permettre de faire vraiment beaucoup de formes différentes. Quand on a enlevé une béquille, si on veut avancer, si par exemple on veut faire si par exemple on veut faire une longue spirale qui monte comme ça, régulière, fine, au fur et à mesure du travail, pour pouvoir continuer à tenir l'objet et à descendre dans la spirale, on peut remplacer une béquille qui a été enlevée et foncée, on peut la remplacer par quelque chose d'autre qui serait collé sur l'objet, par exemple. Et pourquoi ne finis-tu pas sur la béquille ? Bah là aujourd'hui, parce que sinon ça prendra un peu trop de temps. Des serres différentes. Et donc je me sers de ces chutes pour faire des cales à poncer. Alors différents types de cales, différentes formes, différentes épaisseurs. Après pour aller dans les petits coins, des petites limes. Tu ponces entièrement à la main? Et oui, voilà. Après, c'est. Moi, je dégrossis un peu plus proprement après avec des fraises. Avec des fraises qui ont une finition plus propre. Mais sinon, le reste, après, c'est à la main. Alors, avant, je faisais des trucs un peu plus fins. Parce que, comme c'était avec du dessin à main levée, j'avais envie qu'on puisse avoir l'impression que le morceau de bois ou la feuille de papier soit un peu, soit un peu la même chose. J'ai arrêté de faire des travaux fins parce que c'est trop fragile. J'avais présenté celle-là à l'Expo IT de 2010-2011 et elle n'est pas arrivée entière, évidemment. Elle a été cassée par la poste. C'est fin, voilà. Ça, c'était 2008. Donc, c'est évidemment, quand c'est fin comme ça, c'est beaucoup plus pratique à découper. Quand j'ai commencé à faire un peu plus épais, ça m'a beaucoup ennuyé. Mais bon, c'est du gâchis de bois, quoi. Ça, c'est vraiment.
C'est dommage, c'est du gâchis de bois. C'est un joli buis. Voilà. Donc du coup, un peu d'épaisseur quand même pour que ce soit un objet qui se tienne, qui soit un petit peu plus harmonieux entre les poids, les épaisseurs, les dimensions. Voilà, maintenant je recherche plus une harmonie dans les proportions, les dimensions des objets. Bonjour à tous. Alors je vais vous expliquer comment je fais une boîte ronde. Alors pourquoi j'ai fait une boîte ronde? Parce que il m'est arrivé de voyager, j'ai eu la chance, j'ai un peu d'Australie, tout ça. Et je transbalutais mes étoiles avec les boules et les étoiles dedans et je ne savais pas trop comment les emmener. Donc je me suis dit, pas con, je vais faire une boîte ronde. Et puis après, j'ai fait une boîte ronde et puis je me suis dit, peut-être on peut s'amuser aussi avec la boîte ronde à l'extérieur. Donc je vais vous expliquer comment je fais ça avec des outils très simples. En fait, chez moi, maintenant, j'ai des sphéreuses, donc je fais tout à la sphéreuse. Et puis là, je vais faire la main pour vous montrer comment je fais. Alors, j'ai assisté à pas mal de démonstrations dans le voyage que je faisais. Il y avait des gens qui étaient là comme ça et puis qui parlaient pendant une demi-heure. C'est pas mon truc ça. Moi je suis venu vous montrer comment je tourne. Donc je vais vous expliquer en allant bien sûr, mais je vais pas vous faire un discours, ça c'est pas possible. Donc si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'interrompre. Et là je vous répondrai. Alors ça c'est un buis, hein, tout ça. Le but, c'est de vous montrer comment faire ça avec sans outils particuliers. Par contre, je mets un casque, donc il faudrait vous parler un peu fort si vous voulez me poser des questions. De travail, il faut que l'intérieur de la boîte soit parfait sur l'extérieur. Donc, avec, je pense qu'avec des ratoirs comme ça, on peut arriver à avoir une surface quasiment parfaite sans fonçage.
Alors, je reporte 37, comme ça j'arrondis, de chaque côté du trait. Maintenant, je vais descendre de chaque côté de la boîte, comme ça, bien droit. Le plus important, c'est surtout de ne pas manger la côte en longueur. Si la côte est mangée en longueur, ça ne pourra jamais faire une sphère. Donc, je garde ce diamètre-là et maintenant, je descends bien comme ça de chaque côté. Profond, donc après vous aurez toujours un trou
dans l'épaisseur de la sphère. Donc là, je vais finir à la sphère. Voilà, impeccable. Alors maintenant, chose très importante, il faut que le trait qui est ici, qui correspond en fait à l'équateur de la boule, il faut qu'il soit exactement perpendiculaire à l'axe du tour. Alors le moyen simple pour vérifier, c'est de on peut mettre la contrepointe. Là ici il est pas mal. Vous faites un petit trait crayon, vous faites un petit rond, vous allez voir où il tourne. Il est légèrement décalé. Si je me souviens bien, un noir l'année dernière, on avait montré l'inverse. Vous n'avez pas dit que ça n'avait aucune importance que... Ça dépend de la méthode que tu dis. C'était pratiquement le même principe. Oui, mais Jean-Claude, il n'y connaît rien aussi, c'est ça? C'est possible. C'est pour ça qu'il a fait la démo. Oui, c'est vrai. Ah, je trouve que c'est quand même, ça a quand même son importance au niveau de après la sécurité. Mais bon, ça ne marche pas de pain de mettre un axe. Voilà. Là, ici, je vois un petit point qui s'effleure dans le milieu. Là. Bon, je sais que c'est bon parce que ce petit point il correspond en fait au trait de l'axe qui tourne sur les mêmes. Parfait, mais c'est pas si mal. Ça suffira. Donc maintenant, ici, je ne sais pas si on voit la caméra. On voit tout à fait du dessus, on voit le fourron qui est arrosé. Alors moi, j'utilise toujours la gauche. Là, je l'utilise comme un racloir, en fait. Je vais vous montrer. Je sais que c'est pas bon. Vous voyez, là, on est là, ici et là. Là, ça commence à être mal. Encore un petit peu ici. Maintenant, je peux utiliser la gauche en tableau. Ça. Et là ici, quand je regarde par-dessus, je vois très très bien que le fourron est terminé. À la finition. Donc la finition, moi quand j'ai appris chez Jean-François Escoulin, il mettait du fondure. Le fondure, ça fait une jolie finition, mais alors c'est une sacrée merde, on fout partout, des fois ça va où on n'a pas envie que ça aille. Donc après il y a toutes différentes huiles, cire et compagnie. J'ai jamais été très satisfait jusqu'au jour où je suis allé en Allemagne et
je l'ai vu chez un type, il utilisait un kit de polissage qui était vraiment sensationnel. Donc je vais vous montrer ce que c'est.